Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit jeu, ça s'appelle Piggy Story. Le jeu est conseillé à partir de 3 ans, vous allez voir, il est très simple et il fonctionne très bien. Petite boîte en carton, plutôt solide, format plutôt pratique. Donc Piggy Story c'est quoi? Tout simplement c'est chacun va jouer le rôle des 3 petits cochons. On va avoir chacun 3 petites maisonnettes à construire que vous connaissez bien, la fameuse maison de paille, la maison en bois et la maison en briques. Le jeu se présente comment? Tout simplement déjà il y a donc la boîte, nous on s'en sert pour lancer les dés et on a une grande quantité de cartes. Vous allez me dire, ouais, ça va être vite compliqué. Non, clairement pas. Format de la règle, en format pocket. Ça, je suis toujours friand. C'est vrai que ça évite d'avoir un gros livret et de les perdre. On a donc après eh bien, des bouts de maison. J'ai fait un petit tri déjà. Il y a 9 pièces différentes par joueur à trouver, c'est-à-dire un toit et 2 fois 2 murs. Pareil en bois et pareil en pierre. Chaque joueur va devoir lancer les dés et en fonction de la combinaison, récupérer des éléments qui vont constituer les maisons. On a quoi sur ces dés en bois? Eh bien, on a d'abord la brique, la paille, le bois, un point d'interrogation, un loup, et il est où? Hop! Et le toit de la maison. Donc, comment ça marche? Tout simplement, quand on va tomber sur du bois, on va pouvoir prendre un morceau de maison en bois, donc à savoir un mur en bois. Il en faut 2 pour faire une maison. Donc, moi, je vais faire un petit lancer. Donc là, je reçois de la paille. Donc, j'ai paille. Je récupère donc un mur en paille, je récupère un toit, même si je ne m'en sers pas tout de suite, je vais récupérer le toit en paille et un mur de briques. Le problème qu'il y a, c'est que je ne peux pas assembler un mur de paille et un mur de briques, ça n'aurait pas de sens, donc je vais les garder comme ça. Je vais commencer à installer mon petit village de 3 maisons et les autres vont jouer. Eux aussi vont faire pareil. Donc au final, il y a une question de chance qui va être de savoir sur quel dès on tombe pour pouvoir assembler nos maisons. Et le point d'interrogation nous permet simplement de choisir ce qui nous arrange. Sauf que nous avons donc nos amis le loup qui est de la partie. Et donc si le loup, et tout repose sur ça, c'est, oh je suis trop fort. Si le loup arrive et nous fait un double loup ou un triple loup, cela nous permet donc de souffler sur les cabanes de nos partenaires de loup. On va pouvoir souffler sur une maison de un de nos adversaires. Si on tombe sur 3 loups, on va pouvoir souffler sur 2 maisons d'un ou 2 adversaires. Et donc, lui demander de défausser et pouvoir relancer. Donc, le jeu va se reposer sur ça, sur des phases de construction et des phases de démolition. Quelques mots-clés. Donc déjà, je trouve que le concept est assez innovant de jouer avec le principe du château de cartes. On va avoir donc de l'adresse et de la motricité fine, mais aussi un peu de chance. La solidité des supports, on doit être à une bonne quinzaine de parties. Et je ne vois aucune trace, aucune carte abîmée. Donc, les filles sont soigneuses, mais ça n'empêche pas que la matière en elle-même déjà est bien résistante. Au niveau du look, j'aime beaucoup, ils ont vraiment une bonne bouille ces petits cochons et ça me plaît bien. Sur le plan PEDA, je trouve ça super intéressant d'apprendre à mon enfant tout simplement à perdre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va devoir casser sa maison et c'est pas qu'on ne l'aime pas ou qu'on veut lui faire du mal, c'est juste la règle du jeu. Et elle aussi va devoir, là je parle pour Luna ou Maëlie, devoir casser la maison de papa ou de Luna ou de sa grande soeur, de sa petite soeur, de sa maman, réussir à dire ouais mais je dépasse ça, ce n'est qu'un jeu. Voilà. Et je trouve ça intéressant pédagogiquement de se dire tiens on va les confronter à ça, à se dire d'un côté des fois pour un jeu je peux faire ci et dans le cadre d'un jeu on peut faire ça. Je trouve ça super intéressant. Les parties sont assez rythmées, ça se fait assez facilement et on a tendance même à bien rejouer. Donc nous on fait 2-3 parties d'affilée. Jusqu'à ce que je gagne. Je le conseille au niveau collectivité, sans trop de surprises, pour les ludothèques, évidemment pour les LSH 3-6 ans, sachant qu'en plus, il peut se jouer jusqu'à 6 joueurs, donc ça fait quand même un petit peu de monde autour de la table. Je pense que ça peut très bien fonctionner. Si ce jeu vous plaît, je me permets de mettre un code partenaire dans la description, un lien Amazon qui vous permettra de l'acheter. Il est à 15 € actuellement, si je dis pas de bêtises, sur leur site. Et de reverser une partie au final pour moi, pour acheter du matos comme ça. Voilà, le jeu, moi perso, je suis charmé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ce type de vidéo vous plaît, pareil, faites-le moi savoir à travers un petit pouce bleu ou un petit mot dans les commentaires, j'aurai plaisir à essayer de vous y répondre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!